Comme je vous le disais, bonjour à tous. Là, nous avons commencé l'enregistrement de notre session de questions-réponses sur le grand oral de management. Comme je vous l'ai annoncé, nous avons donc un peu moins de 2 heures devant nous pour répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser concernant cette épreuve. Je ne reviendrai donc pas délibérément sur les éléments de fond qui sont déjà abordés sur les vidéos de la chaîne YouTube. Vous avez donc la parole, soit au micro, soit au chat, soit en levant la main. Alors, donc là, j'entends un micro s'activer sans savoir qui souhaite prendre la parole, mais si vous la souhaitez, elle vous sera donnée. Alors, la première question est toujours difficile à poser. Il y a toujours des questions, des problèmes de timidité, mais là, en l'occurrence, n'ayez aucune pudeur particulière, ne vous inquiétez pas. Les questions, même celles qui vous paraîtraient les plus naïves, sont très certainement dignes d'intérêt pour tout le monde. Alors, à présent, je me tais et j'attends que soit des mains se lèvent, soit des commentaires, soit des questions soient posées dans le chat. Moi, j'aurais une question juste sur quand est-ce qu'on va avoir une idée du jour où on passe. Alors, Marie, vous recevrez par mail de la part de la scolarité une convocation pour votre oral. Et ça, vous le recevrez grosso modo 2-3 semaines avant. Donc, vous ne saurez que 2-3 semaines avant le moment où vous passerez votre oral, quand exactement vous le passerez. La seule chose que je puisse vous dire aujourd'hui, c'est que cet oral se tiendra sur 3 jours, qui seront 6, 7 et 8 juillet. Mais je n'en sais pas plus sur vos heures précises de passage, ça vous le saurez donc 2 à 3 semaines avant. Et en cas de question particulière à ce sujet, je vous invite à prendre contact avec Elisabeth Moreau et Lucie Tellier, dont j'ai mis les deux noms dans le chat. Alors, désolé de ne pas pouvoir répondre de manière plus satisfaisante à votre question, mais est-ce que déjà ça vous renseigne un peu ? Un peu, oui. D'accord. Donc, Elisabeth Moreau pourra vous en dire beaucoup plus que moi sur l'aspect strictement administratif et organisationnel, pratique. Ok. Alors, merci. Je vous en prie. Alors, Grégoire, je vois que vous levez la main. Alors, allez-y. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question par rapport au titre du plan. Dans une des vidéos, vous avez dit que chaque titre doit être porteur d'un message significatif. Oui. Et du coup, quand vous parlez de titre, c'est les titres, c'est chaque titre des deux parties ou c'est même les titres des sous-parties ? Alors, ce que je dis sur les vidéos, je dis plusieurs choses. Donc, j'indique que je recommande un plan en 2 parties, 2 sous-parties, certes, mais non, sauf si. Et je dis dans une autre vidéo que je recommande fortement de concevoir chaque titre comme un tweet, c'est-à-dire comme une phrase très concise, donc 140 signes, donc ça va très vite, comprenant les hashtags, donc les principaux mots-clés du message que vous voulez faire passer, et du coup porteur d'une accroche particulière. Votre question est-ce qu'il faut qu'on considère ça pour chaque titre ou chaque niveau de titre ? Ma réponse est oui, alors certes, mais, ou non, sauf si, comme vous voulez. Donc, je vous mets en application ce que je vous recommande de faire. Alors, oui, quand vous vous préparez, vous verrez que ça vous aidera à penser et à systématiquement voir si une sous-partie ou quelque chose que vous voulez dire est vraiment en phase avec le message que vous voulez faire passer ou bien si c'est susceptible d'être descriptif, plus ou moins hors sujet ou pas. Je vous recommande de le faire à titre métaphorique, donc pour vous aider à penser et pour vous assurer que les idées sont claires, c'est aussi ça. Et là où je vais tempérer mon propos, c'est que, oui, je vous conseille de le faire quand vous vous préparez. Maintenant, quand vous présentez
spécifiquement à l'oral, vous n'avez pas besoin de systématiquement et de manière méthodique et mécanique évoquer toujours vos différents titres. Alors à présent, mon grand 1, c'est blablabla. Mon grand 1, grand A, blablabla. Vous pouvez faire plus subtil. Ce qui veut dire que quand je parle de tweet, c'est à titre métaphorique. C'est vraiment pour vous donner de manière presque caricaturale sur des vidéos courtes, hein, l'idée que lorsque vous construisez votre plan, tout ce que vous y mettez doit contribuer directement au message que vous voulez faire passer. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir la moindre partie ou sous-partie qui soit, on va dire, un petit peu bancale ou déconnectée du message. C'est vraiment ça l'idée. Donc, dans la préparation, je vous encourage à le faire. À l'oral, vous pouvez prendre un peu de liberté par rapport à la chose, enfin, je veux dire, par rapport au fait que chaque titre doit être un tweet, etc. Mais ce qui est important, c'est que dans chaque sous-partie, enfin, dans chaque partie, dans chaque sous-partie, vous ayez un message clair, précis et à la fois nuancé. Est-ce que, Grégoire, ça répond à votre question ou pas ? Oui, très bien, parfait. Merci beaucoup. Et je vous en prie. Donc, sur le même registre, hein, sur le même modèle, si d'autres ont des questions, que ce soit dans le chat ou au micro, sur votre demande, la parole vous sera donnée. Oui. Alors, donc je vois Lucille, allez-y. Oui, bonjour. J'avais une question par rapport au plan, parce que vous recommandez de faire deux parties, deux sous-parties. Est-ce que c'est possible de faire trois grandes parties, par exemple, ou de moduler un peu ce plan, ou alors c'est un critère d'évaluation d'avoir ce plan en deux parties ? Alors, la question est très pertinente. Il n'y a absolument aucune obligation quant à ce plan. Vous n'êtes pas évalué sur le strict respect de ce plan. Donc, est-ce qu'on peut faire autrement ? Sur le principe, oui. Ceci étant, j'ai deux éléments de réponse aussi directs que possible à votre question. Le premier élément de réponse, c'est que ce plan que je vous propose, c'est un plan qui a fait ses preuves. C'est-à-dire que c'est un plan qui permet de bien balancer, de bien nuancer une position, tout en ayant celle-ci présentée de manière claire. C'est un plan qui a fait ses preuves depuis plusieurs siècles dans les facultés de droit et depuis 170 ans à Sciences Po. Donc, moi, je vous le conseille fortement. C'est un plan qui, lorsque vous le faites correctement, je dirais à minima, même avec un sujet sur lequel vous ne sentez pas parfaitement à l'aise, vous permet d'aller taper sur au moins 11. Donc, deuxième élément de réponse à votre question, est-ce qu'on peut envisager trois parties ou autrement ? Alors, trois parties, on peut théoriquement l'envisager. Je vous rappelle toutefois que vous n'avez que 10 minutes pour vous exprimer. Et donc, quand vous parlez de 10 minutes, déjà un plan en deux parties, ça fait 4 minutes par partie, 2 minutes par sous-partie, ça va très vite. Donc, si vous faites plus de deux parties, vous vous exposez au risque que le jury estime que vous êtes légère ou superficielle sur tous les points que vous abordez. Alors, a fortiori, est-ce qu'on peut faire autrement, donc plus encore ? La réponse est à vos risques et périls, bien entendu. Donc, non, vous n'êtes pas évalué spécifiquement sur le respect de ce plan, mais comme je vous le disais, c'est un plan qui a fait ses preuves, qui marche, et avec lequel les étudiants tendent à se sentir rassurés. C'est-à-dire qu'ils savent que construire le plan ne sera pas un obstacle a priori et qu'ils pourront couvrir l'essentiel de ce qui doit l'être et à ce moment-là être aussi convaincants qu'ils le peuvent. Alors, est-ce que ça répond à votre question, Lucille, même si ce n'était pas forcément la réponse que vous espériez ? Oui, c'est clair, merci. Très bien. Alors, donc,
Je reste à l'affût, hein, d'autres questions, d'autres mains qui se lèveraient, d'autres questions dans le chat. Encore une fois, sur votre demande, hein, la parole vous sera donnée. Oui. Oui, alors, comment appréhender un sujet qui ne nous inspire pas forcément ? Alors, donc ça, c'est une question récurrente. À chaque séance, elle m'est posée, ce qui veut dire que c'est une question tout à fait pertinente. Hein. Alors, j'ai plusieurs éléments de réponse là-dessus. Le premier élément de réponse, qui n'est pas une réponse directe à votre question, c'est est-ce qu'il y a un risque finalement qu'on se retrouve confronté à un sujet auquel on ne connaisse strictement rien, qui sorte complètement de notre champ de compétences ? La réponse est, comme d'habitude, hein, certes, oui, mais. Alors, non, sauf si, on va dire non, a priori, il n'y a pas lieu que vous vous retrouviez complètement à sec face à un sujet. Tous les sujets étant des sujets d'intérêt généraliste, d'intérêt général, d'intérêt managérial général et pluridisciplinaire. Donc, tous les sujets ont des clés d'entrée multiples et sont des sujets sur lesquels, d'une manière ou d'une autre, vous auriez des éléments de réponse ou de réflexion. Maintenant, ce qui peut se produire, c'est que face à un sujet, vous ne sachiez pas forcément par où commencer. Donc, et je pense que votre question serait plus là-dessus, c'est-à-dire sur un sujet auquel on n'avait pas pensé auparavant, sur lequel on n'a pas d'expertise particulière, mais ce n'est pas l'objet, mais un sujet avec lequel on n'a pas d'affinité au départ, est-ce qu'il y a un risque qu'on soit sec et qu'on n'ait rien à dire ? Pour moi, la réponse est ce risque est très faible, précisément parce que les sujets, alors j'espère que vous l'apprécierez de cette manière-là quand vous tomberez sur votre propre sujet, mais parce que les sujets ont été conçus de sorte que chacun, en réfléchissant une demi-heure, développe une opinion sur celui-ci, puisse développer une opinion sur celui-ci. Ce qui veut dire qu'aucun sujet ne sera un sujet technique, disciplinaire et s'adressant à des spécialistes. Ce sont des sujets qui s'adressent à des, on va dire, à des citoyens éclairés, des citoyens managers ou futurs managers éclairés qui seraient amenés à s'exprimer à un moment ou à un autre sur un sujet sur un sujet de société, alors de société entendue au sens très large, hein, ce qui veut dire que ça implique l'entreprise, etc., et sur lequel on attend qu'il nous fasse autre chose qu'un SWOT, coût-bénéfice, avantage, inconvénient. Alors, est-ce que ça répond, Agathe, au moins en partie à votre question ? Oui, et du coup, est-ce qu'on a accès à des sources externes, comme on fait ça via Teams ou pas ? Alors, là encore, c'est une très très bonne question. Je vous donne le principe et ensuite son application. Le principe, lorsque ce grand oral a été conçu, donc l'oral que vous passez, excusez-moi, c'est une épreuve d'un genre nouveau à GEM. Auparavant, les étudiants avaient passé une épreuve pour laquelle ils avaient un sujet sur lequel ils se préparaient pendant 6 semaines, donc avaient le temps de faire des recherches, de contacter des profs, de préparer un document écrit qu'ils soutenaient d'une certaine manière. Là, on a, il y a 2 ans, pour la session 2020, qui n'a pas eu lieu pour les raisons que vous connaissez, développé, conçu cette épreuve que vous allez présenter, 2021 étant la première édition. Donc, je ne vous parle qu'avec le recul de la session d'avril. Quand l'épreuve a été conçue, et c'est là où est le principe, elle a été conçue de telle sorte qu'effectivement, vous soyez surveillé pendant le temps de préparation, et donc que pendant le temps de préparation, vous n'ayez accès à aucune source externe. Le contexte sanitaire nous a contraints à faire autrement. L'épreuve se passe en ligne, la préparation n'étant pas surveillée, nous n'avons aucune possibilité de savoir si vous allez consulter ou non des sources externes à votre cerveau
Donc, sur le principe, ça devrait être fait sans accès à quoi que ce soit. Dans l'exécution, on sait que vous êtes plus que susceptible de vous, de vous procurer des sources sur Internet. Donc, pour répondre à votre question, on n'a pas moyen de vérifier. Donc, a priori, oui, vous pouvez avoir accès à des sources externes sur cet oral qui se présente en ligne et qui se prépare dans un contexte non surveillé. Est-ce que ça répond bien à votre question, Agathe ? Oui, parfait, merci. Mais je vous en prie. Et du coup, je me permets de prendre la suite. Alors, Victoire, allez-y. Camille. Bonjour. Oui, Camille, excusez-moi. Bonjour. En fait, est-ce que le fait qu'on ait accès finalement à des sources externes, ça ne change pas le barème et la façon dont l'entretien, dont l'entretien se produit finalement ? Non, pour la raison que je viens d'évoquer, à savoir cette épreuve sous ce format et sous cette philosophie se déroule pour la première fois. C'est-à-dire que même les jurys n'ont pas de recul, même les jurys n'ont aucun élément de comparaison. Non. Mais la question qui se posera, ce sera plutôt l'année prochaine, si l'épreuve se tient en présentiel et donc dans un contexte surveillé, la question se posera sans doute, ah mais finalement, est-ce que c'était pas mieux si les étudiants avaient accès à des sources ? Donc, pour répondre à votre question, cette année, vous avez la chance de démarrer une épreuve sur laquelle le jury est vierge de quoi que ce soit. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Et je vous en prie. Bonjour, je voulais vous demander, est-ce que le jury a accès à notre parcours AGEM et du coup oriente le choix du sujet en fonction de notre parcours ? Alors, non. Donc, ça appelle deux éléments de question dans ce que vous me demandez. Tout d'abord, il y a une question sur comment sont affectés les sujets et deux, finalement, qu'est-ce que le jury sait de nous ? Alors, comment sont affectés les sujets ? Le jour de l'épreuve, et donc là, ça me permet aussi de vous parler du déroulé de l'épreuve, hein, technique et opérationnel. Donc, le jour de l'épreuve, vous allez recevoir une convocation vous invitant à passer votre oral à tel jour, à telle heure. Le jour de l'épreuve, il vous faudra être joignable sur Teams et avoir votre boîte mail ouverte 35 minutes avant. Là, le président de jury, par l'intermédiaire de Easy, vous enverra le sujet qui vous a déjà été préaffecté. Et donc, en gros, dans son espace perso, il y aura un champ, mes étudiants, envoyez le sujet, étudiant un tel, envoyez le sujet. Et donc, vous recevrez par mail, dans les secondes qui suivent, votre sujet. Le président de jury vous appellera sur Teams pour vous demander confirmation de bonne réception du sujet et donc pour vous demander de partager avec le jury le sujet que vous avez reçu. Ensuite, il vous déconnectera. Là, vous aurez 35 minutes pour vous préparer. Et à l'issue de ces 35 minutes, le président de jury vous rappellera dans la conversation, par Teams, hein, toujours. Et après les 10 minutes d'exposé, 10 minutes d'échange, le président de jury vous déconnectera. Ça, c'était pour le premier élément de réponse. Le deuxième, qu'est-ce que le jury sait de nous ? Le jury ne sait rien de vous, a priori. Alors, sauf si vous tombez sur un prof que vous avez eu en cours ou qui était votre tuteur de grand mémoire ou autre, mais le jury ne sait rien de vous. Donc, est-ce que ça entrera en ligne de compte ? Là encore, pas tout à fait, sauf si. C'est-à-dire que, de prime abord, non, mais dans l'oral, dans la deuxième partie de l'oral, lorsque vous échangerez avec le jury, celui-ci est encouragé, et ça c'est dans la grille d'évaluation, sur les vidéos relatives à la grille d'évaluation, vous le verrez, il est encouragé à vous lancer sur votre parcours, vos perspectives, votre projection au-delà de GEM. Donc vous serez amené à parler de vous, au moins pendant l'échange. Mais si vous parlez de vous, si vous avez l'occasion, si le sujet s'y prête, si l'argumentaire s'y prête, et que vous parlez de vous, de vos expériences ou de votre parcours dans l'exposé, ça renseignera le jury. Alors, donc ça m'emmène un petit peu plus loin sur cette question de la réflexivité et de combien on est engagé à parler de soi. Sur le principe, donc les jurys sont
encourager à vous faire parler de vous, de sorte à apprécier ce que vous avez pu, non pas faire à l'école, mais retenir, apprendre de votre parcours AGEM, de toute votre scolarité, de ce que vous avez fait aussi hors les murs, et votre capacité à vous extraire d'un cadre purement scolaire. Maintenant, tous ne le feront peut-être pas de manière aussi explicite. Mais encore une fois, a priori, ils ne savent rien de vous. Tout ce qu'ils sauront de vous viendra de vous. Est-ce que ça répond à votre question ou est-ce que j'ai répondu à côté ou est-ce que je suis allé trop loin? Non, c'est très clair, merci. Je vous en prie. Alors après, je vois que Kitri, alors j'espère que je prononce bien votre prénom. Kitri, c'est bien, oui. Kitri, très merci. Bien. Donc, bonjour monsieur, oui, j'avais une petite question. Est-ce qu'à la fin de l'oral, on aura un retour sur notre oral ou pas du tout? Non. Non. Pour deux raisons, une bonne et une mauvaise. La mauvaise raison, c'est qu'il n'y aura pas le temps. La bonne raison, c'est qu'un retour strictement à chaud, c'est quelque chose sur lequel personne n'a vraiment prise et on ne peut absolument pas garantir qu'il y aura une équité ou une égalité de traitement dans les étudiants. Donc, le choix a été fait de ne pas faire de débrief après l'oral. Ok, merci. Et j'enchaîne sur une autre question. Allez-y, je l'ai peut-être dit, mais il y a combien de membres du jury dans le jury, s'il vous plaît? Alors, le jury sera composé de 2 à 3 personnes, mais a priori 2. Un président ou une présidente qui sera un prof permanent de GEM et un membre extérieur, donc qui sera un cadre d'une organisation partenaire de GEM. Mais derrière votre question, je pense qu'il y en a une autre qui est quel degré d'affinité les membres du jury auront-ils avec le sujet? Y a-t-il un risque que je tombe sur des hyper spécialistes du sujet et auquel cas est-ce que ça peut être pénalisant ou autre? Alors, le jury découvre les sujets en même temps que vous. C'est-à-dire qu'a priori, ils n'ont pas été sélectionnés parce qu'ils avaient une appétence particulière pour tel ou tel sujet. On n'est jamais à l'abri du fait qu'un membre de jury se passionne pour le sujet que vous aurez. Mais ça, c'est complètement dû au hasard. Mais comme je vous disais aussi il y a quelques instants, les sujets ne sont pas des sujets spécialisés, mais des sujets généralistes, donc sur lesquels tout le monde, en réfléchissant un petit peu, aura un avis. Alors, est-ce que ça répond à votre question ou est-ce que j'ai répondu à côté? Oui, vous m'avez répondu au-delà, c'est très bien. Et j'avais une autre sous-question. Souvent dans les oraux, comme là c'est en distanciel, souvent on doit faire attention à regarder le jury, etc. Ouais. Est-ce que là, ça va être la même chose, sachant que c'est un peu difficile sur Teams, surtout si on a des écrans, etc. Alors, vous avez tout à fait raison. Typiquement, sur un oral en ligne, tout ce qui est communication verbale et non verbale est beaucoup plus compliqué. Mais rassurez-vous, le jury sera exactement dans les mêmes conditions que vous. Donc, je dirais, ça n'aura pas vraiment d'importance. Il manquera toujours quelque chose pour, vous voyez, ces espèces de non-dits, ces choses-là, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pénalisant en soi. D'accord, alors, merci. Alors, je vais essayer de répondre à la question d'Ashraf. Quel est le taux de réussite pour la session d'avril? Alors, ça va être très simple. Je vais plutôt vous parler du taux d'échec. Le taux d'échec sur la session d'avril, c'était 3 à 4%, ce qui est très faible. Par le passé, on était donc sur l'oral ancien format que j'ai évoqué tout à l'heure, on était sur un taux d'échec de 6 à 7-8%. Et là, sur la session d'avril, 3 à 4%. Donc, taux d'échec très faible. Donc, en d'autres termes, taux de réussite très élevé. J'imagine que derrière cette question se cache une autre question qui serait sur les causes les plus fréquentes d'échec à l'oral. Si c'est le cas, voici ce que je peux en dire. Alors, de ce que j'ai vu sur la session d'avril, on a comme cause d'échec principale, 1, des étudiants qui ne prennent pas véritablement une position
ou en tout cas ne nous permettent pas de nous rendre compte de leur position. Ça se manifeste souvent par des étudiants qui nous font soit un joli SWOT qui sert à rien, soit un plan coût-bénéfice, avantages-inconvénients, etc. Bref, ça ne nous permet pas vraiment de discuter ou comprendre ce qu'ils ont à nous dire. Une autre cause notoire d'échec à l'oral, c'est un argumentaire incomplet. Alors, je dirais, ça peut être faible ou incomplet, hein. C'est le même, ça veut dire la même chose. C'est-à-dire un argumentaire dans lequel on n'aurait pas, pardon, de manière systématique, une assertion, un argument, un exemple. S'il manque l'un des trois, l'argumentaire est considérablement affaibli. Et il arrive qu'on ait des exposés avec seulement des exemples et pas d'arguments, donc ça ne vaut rien. Ou à l'inverse, des exposés très abstraits, sans exemple, et ça ne vaut pas plus. On a aussi des étudiants qui... Ça a été assez frappant sur la session d'avril. Des étudiants qui, sur les 10 minutes, finalement, ne consomment que très peu du temps qui leur est alloué. Donc, j'ai eu le cas d'une étudiante qui a échoué en faisant un exposé de 5 minutes. À 5 minutes sur 10, ça veut dire que vous l'amputez de moitié. Donc, quelque part, déjà que 10 minutes, c'est assez court, ça va très vite. En 5, vous ne pouvez qu'être superficiel et vous ne pouvez que surfer sur les choses. Ce qui est aussi une cause manifeste d'échec, mais ça, je ne l'ai pas vu sur la session d'avril, c'est le cas de figure où un étudiant ne parvient pas à tenir dans les 10 minutes. Et en gros, au bout de 10 minutes, se fait interrompre par le président du jury qui dit « Ok, je vous remercie, qu'on va passer aux questions-réponses. » Type, vous arrivez, bon, c'est la 8e minute, bon, mais à présent, je vais passer à ma deuxième partie. Ça, c'est une manifestation d'un échec probable. Alors, je sais que ce n'était pas exactement votre question, Ashraf, mais ça me paraissait être une extension de celle-ci. Est-ce que ça y répond, déjà? Et ensuite, si la réponse est oui, je passe à la question d'Hugo. Oui, tout à fait, merci. Ok, très bien. Alors, Hugo, si le jury interprète notre sujet d'une manière totalement différente de nous, peut-il nous reprocher un hors-sujet ou un traitement partiel de la question? Comme je vous disais tout à l'heure, les sujets ont des clés d'entrée multiples. Donc, il y a peu de chances que vous ayez un jury qui ait forcément la même clé d'entrée que vous. Ce qui sera important, ce n'est pas que le jury soit d'accord avec vous. Non, c'est que votre propos soit convaincant et que le jury se dise « Tiens, je n'avais pas forcément pensé à ça, mais ça vaut le détour. » Donc, est-ce qu'on pourra vous reprocher, de ne pas avoir pris le même parti que le jury? Absolument pas. Est-ce qu'on pourra vous reprocher d'être partiel? Alors, ça dépend à quel point, mais a priori, si vous suivez de près ou de loin le plan que je vous suggère, compte tenu de la clé d'entrée que vous aurez choisie, normalement, vous couvrez l'essentiel et on ne pourra de manière notoire. Idéal, il faudrait que le jury ne soit pas complètement d'accord avec vous pour qu'une discussion puisse s'amorcer. La situation la plus frustrante pour tous, c'est celle dans laquelle on a un très bon exposé avec lequel on est complètement d'accord. Du coup, de quoi est-ce que vous voulez qu'on discute? Donc, ça veut dire que c'est même mieux pour vous si le jury n'est pas parfaitement en accord avec vous. Est-ce que, Hugo, ça répond à votre question? Et ensuite, si oui, je passerai aux autres questions du chat. Oui, tout à fait. Ouais. Merci. Et je vous en prie. Alors, donc, je réponds aux deux questions du chat et ensuite, je viens vers vous, Maud. Alors, un échec à l'oral entraîne-t-il un rattrapage ou l'obligation de le repasser l'année suivante? Alors, je vous explique encore une fois le principe et son application. Le principe est qu'un échec au grand oral de management ne vous permet pas d'obtenir le diplôme. Donc, vous êtes ajourné et devez repasser l'oral sur la session d'avril de l'année suivante. Ça, c'est le principe. Dans l'application, en cas d'échec au grand oral de management, voici ce qui va se passer. Votre dossier sera examiné en commission de diplôme
tout d'abord de manière strictement quantitative, c'est-à-dire que la commission de diplôme va chercher à voir si votre échec au grand oral de management est un accident de parcours ou bien si c'est à l'image d'une scolarité chaotique. Étant entendu que ce n'est pas la même chose de rater son grand oral de management selon qu'on est major de promo dans toutes les matières depuis l'intégration à l'école ou bien selon qu'on a passé toutes ces matières au rattrapage depuis l'intégration à l'école. Dans un second temps, la commission de diplôme va examiner votre profil d'étudiant de manière qualitative, c'est-à-dire voir si vous êtes un étudiant modèle, parfait ambassadeur de l'école, sur tous les salons, etc., ou un casse-pied, à vous plaindre tous les quatre matins de tout et n'importe quoi dans le bureau de Jean-François Fiorina ou Béatrice Nerson, ou tout simplement un étudiant sans histoire, sans problème particulier. Donc en gros, la commission de diplôme estimera dans quelle mesure elle a envie de vous faire une fleur ou elle estime que vous méritez qu'on vous fasse une fleur. Si la commission de diplôme vous donne satisfaction, vous avez le diplôme, fin de l'histoire, on n'en parle plus. Si elle ne vous donne pas satisfaction, à ce moment-là, vous pouvez faire appel. Mais j'attire votre attention sur plusieurs choses concernant l'appel. Tout d'abord, vous aurez très peu de temps pour faire appel à partir du moment où la décision de la commission de diplôme aura été rendue. C'est-à-dire, c'est très court, c'est 5 jours. Autre élément à avoir à l'esprit, quand on fait appel, ce n'est pas dans l'idée que la commission de diplôme doit changer d'avis. Je ne suis pas d'accord avec la commission de diplôme, il faut qu'elle change d'avis. L'idée, c'est de dire que la commission de diplôme n'avait pas tous les éléments utiles ou nécessaires à l'appréciation de ma situation au moment où elle a rendu sa décision, je fais appel pour introduire de nouveaux éléments qu'il me semble important de devoir prendre en considération. Et à ce moment-là, ça veut dire que si vous faites appel, vous introduisez donc véritablement de nouveaux éléments qui doivent pouvoir être tangibles et vérifiables. En aucun cas, il s'agirait de dire « Ah, mais je suis passé à l'oral avec tel prof qui n'a jamais pu m'encadrer. » Ou « Quand je suis entré dans la salle virtuelle, il me regardait de travers. Enfin, » ou ce genre de choses. Mais des éléments tangibles comme un certificat médical qu'aurait rédigé un médecin la veille ou le jour de l'examen, un certificat de décès, enfin d'un proche, si vous voulez, des éléments vérifiables qui permettraient à la commission d'appel de se dire « Ah oui, effectivement, on comprend. » Si la commission d'appel vous donne satisfaction, vous avez le diplôme, on n'en parle plus. Si, en revanche, elle confirme la décision de la commission de diplôme, à ce moment-là, vous êtes ajourné et vous devez repasser sur la session d'avril 2022. Est-ce que ça répond à votre question, Titouan ? Oui, absolument. Oui. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Alors, Kitri, faut-il s'exprimer à la première personne du singulier ou du pluriel ? J'ai envie de dire, vous êtes plusieurs ? Non, alors sérieusement, première personne du singulier. On n'est pas dans un exercice type dissertation de prépa où c'est le nous magistral qui s'impose. Non, là, c'est votre avis qui nous importe, c'est vous, c'est votre parcours, donc première personne du singulier. Ensuite, alors, bon, là, je pense que ça doit répondre à la question. Donc, j'avais promis à Maud de répondre à la question avant que Michel nous pose dans le chat. Donc, Maud, vous avez la parole. Bonjour. Alors, je crois que je vais avoir sensiblement la même question que Michel, en fait. C'était de savoir à quel moment de notre exposé on prend position. Le plus tôt possible. Position. Alors, je crois que j'en parle dans la vidéo qui évoque la durée de l'exposé. C'est la durée de l'exposé. Et donc, c'est dès l'introduction. Donc, dans l'introduction, vous commencez avec un incipit, ce qui permet d'entrer dans le sujet. Je ne reviens pas sur ce que c'est, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Puis, vous annoncez le sujet et vous allez nous dire quelle réponse vous allez apporter à ce sujet. Et cette réponse, donc, que je vous recommande
de concevoir métaphoriquement comme un tweet, bah, c'est votre position. Et après la position, vient l'annonce de plan. Donc, le plus tôt possible, histoire que lorsque vous amorcez votre première partie, on sache déjà dans quel état d'esprit vous écoutez ou bien où vous voulez en venir. Donc, dès que possible, le plus tôt possible. D'accord, merci. Maud, ça répond à votre question. Michel, est-ce que ça répond à la vôtre ou est-ce qu'il y avait autre chose derrière votre question ? Non, oui, ça répond concrètement à ma question. Merci. Ok, parfait, mais je vous en prie. Alors ensuite, Grégoire. Oui, moi j'ai une question concernant les exemples et notre expérience. Est-ce qu'il est obligatoire, c'est peut-être un peu fort, mais est-ce que, je vais l'utiliser quand même, est-ce qu'il est obligatoire d'utiliser un exemple pour chaque sous-partie, donc pour chaque argument en fait ? Parce que d'après ce que c'est peut-être pas forcément d'utiliser des exemples ou tout simplement on peut être amené à ne pas avoir d'exemple pour illustrer nos propos car le sujet peut nous être pas familier ou... Alors, comme je disais dans les vidéos de la chaîne YouTube, notamment sur la construction de l'argumentaire et sur la vidéo « Qu'est-ce qu'un exemple pertinent ?» ou qu'est-ce qu'un bon exemple plutôt, il est impératif d'avoir systématiquement un exemple pour étayer une assertion. Donc, quand vous tenez un propos et que vous argumentez, vous êtes obligé de l'illustrer. Si vous ne l'illustrez pas, ça vaut pas grand-chose. Alors, ensuite, vous évoquez dans votre question au tout début l'expérience professionnelle, mais après, vous n'y êtes pas revenu. Donc, je rebondis là-dessus. L'expérience professionnelle a-t-elle sa place dans l'argumentaire ? La réponse est oui. Donc, dans l'art de la persuasion, dans l'art oratoire, en gros, on allègue quelque chose. Donc, ma position, c'est telle chose. C'est comme ça que ça marche, blablabla, donc l'argument. D'ailleurs, on peut le constater à tel endroit, ça se passe comme ci. Et moi-même, je l'ai vécu de telle et telle manière quand j'étais en stage chez machin. Et donc, cet élément personnel qui vient en sus, c'est le jackpot. C'est la cerise sur le gâteau qui montre que non seulement vous avez une position, mais qu'en plus, vous la vivez. Je sais que ce n'était pas tout à fait votre question, mais comme j'ai entendu au début de votre question expérience professionnelle, je capitalise là-dessus. Et donc, pour vous répondre, un exemple par assertion, par sous-partie, est indispensable pour avoir un exposé qui soit au final convaincant, même si on n'est pas complètement d'accord avec vous. Ce n'est pas un problème du tout. Est-ce que ça répond à votre question ? Ou est-ce que j'en ai bien... Okay. Et même pour l'expérience professionnelle, super, parfait. Bon, très bien, et je vous en prie. Alors, donc, dans le chat, Mathieu nous dit, pour compléter cette question sur les exemples que nous pourrions utiliser, ont-ils besoin d'être très objectifs, se basant sur des tendances globales, avec des sources très précises, ou plutôt des expériences personnelles concrètes, mais peut-être parfois plus isolées, plus ponctuelles. Alors, votre question renvoie à la vidéo sur qu'est-ce qu'un bon exemple. Donc, je ne vais pas vous refaire ce qu'il y a sur cette vidéo, mais en gros, un exemple, ça doit être parlant. Ça doit vraiment illustrer le propos que vous tenez, ça doit être parlant et ça doit être frappant, c'est-à-dire que c'est un exemple dont il faut qu'on puisse être susceptible de se souvenir après. Donc un exemple qui ne soit pas galvaudé, qui ne soit pas toujours l'exemple attendu systématiquement sur telle thématique. Donc pour vous répondre, est-ce qu'il faut des références, des sources précises ? Sur une préparation en 35 minutes, vous ne pourrez pas avoir des sources précises, quand bien même auriez-vous accès à des sources externes. Donc, non, on n'attend pas d'exemple qui soit parfaitement adossé à des sources facilement vérifiables. On n'attend pas forcément des tendances globales, comme vous dites, c'est-à-dire des choses qui sont des lames de fond très générales au final. On n'attend pas non plus des choses qui soient complètement isolées et inconnues de tous. On attend que vous ayez, en guise d'exemple,
des choses qu'on soit susceptible de connaître, même si on ne les connaît pas, mais qu'on soit susceptible de connaître et qui nous parlent. À partir de là, le champ est très large. Je ne peux pas vous dire beaucoup mieux, mais est-ce que ça répond à votre question déjà, Mathieu ? Oui, très bien. Merci. Okay. Mais je vous en prie. Alors, donc je surveille toujours et le chat et les mains. Je ne vois rien pour le moment. Donc, je vous redis, hein, si vous avez des questions, à votre demande, la parole vous sera donnée. Alors, Kitri, et après, donc, il y a quelqu'un d'autre, j'arrive pas à voir qui, mais Kitri, allez-y. Oui, tout à l'heure, vous parliez des facteurs d'échec. Mmh. Vous disiez qu'un plan, par exemple, axé sur des bénéfices, limites, etc., ce n'était pas un plan solide. Pourtant, quand on fait un plan oui, mais, ou certes, mais, il m'apparaît quand même, on fait un plan un peu quand même bénéfice-limite, tout en le mettant en première personne. Non, pas du tout. Pas du tout. Si vous voulez, avec un plan type certes mais ou non sauf si, vous me dites à telle question, ma réponse c'est plutôt oui ou c'est plutôt non. Étant entendu que pour être convaincant, on ne peut pas avoir une réponse qui soit catégorique, un oui catégorique ou un non franc et massif. Là, ça ferme la discussion. Donc en gros, ce que vous dites avec un certes mais ou un non sauf si, c'est ma position c'est plutôt telle chose, je sais jusqu'où elle est tenable, ou à quelles conditions elle est tenable, je sais quand elle commence à être peut-être un peu légère, mais elle me paraît malgré tout tenir la route. Et c'est pourquoi elle me paraît appropriée. Donc, ce n'est pas du tout la même histoire. C'est-à-dire que quand, lorsque vous êtes sur du coût-bénéfice, avantage et inconvénient, vous êtes sur quelque chose de purement descriptif, et au final, on ne sait pas ce que vous faites. Là, si vous êtes sur du certes mais ou du non sauf si, c'est plus, mais je vous l'accorde, ce n'est pas 100%, parce que si, parce que ça, mais quand même, ou plutôt non, mais je ne suis pas complètement fermé non plus, si on tient compte de telle et telle chose, je suis pas fermé à la discussion ou je peux reconsidérer ma position. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose que de nous faire quelque chose de purement descriptif, un SWOT imbécile qui ne sert à rien, un coût-bénéfice, avantage inconvénient, dont finalement, ce n'est pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça répond à votre question, Kitri ? Oui, bah au final, c'est vraiment un oral type Sciences Po, en fait. Oui, mais absolument. C'est exactement l'idée. Ouais. C'est ça. D'accord. C'est exactement ça. Merci. Ouais. Et je vous en prie. Alors, après, je vois qu'il y a une autre main qui est levée, mais je ne sais pas qui demande la parole. Donc, je ne suis pas sûre. J'essaye de lever la main, mais... Allez-y, ah, attendez, je n'arrive pas à voir qui c'est, qui parle. C'est Sana. C'était pour rebondir du coup sur ce que vous avez dit par rapport au plan. Du coup, on peut quand même mitiger notre propos. On n'est pas obligé d'y aller. C'est tout l'art de la chose. C'est tout l'art de la persuasion. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une position à la fois claire et à la fois nuancée. Et en aucun cas une position tranchée et définitive. Donc, mais du coup, on peut le nuancer avec une partie où vous préférez qu'on le nuance en conclusion. Non, c'est dans l'ouverture. Le plan. Non, mais oubliez les ouvertures. Alors, je vous invite à voir les vidéos, de la chaîne YouTube parce que je pense qu'elles répondent en grande partie à ces questions que vous vous posez. Maintenant, pour faire très court là-dessus, c'est pas en conclusion que vous nous donnez votre position. La question m'a été posée tout à l'heure, quand est-ce qu'on la pose ? Et je crois que c'était même dans le chat. La position, elle doit être annoncée dès le début, donc le plus tôt possible. Mais c'est une position qui sera forcément, comme on dit à Sciences Po, un balancement circonspect, c'est-à-dire une position qui sera tout dans la nuance. Et donc, en gros, c'est toute la subtilité d'un plan type certes, mais non sauf si. Certes, donc c'est plutôt oui. Maintenant, pas un oui franc et massif, parce que si et ça, mais je peux quand même, enfin, il y a de la marge de discussion. Ah, ou bien non, sauf si, plutôt non, première partie. Deuxième partie, sauf si, mais ce n'est pas un non franc et massif, donc je peux le réviser en partie si on tient compte de telle ou telle chose, mais pour le moment, c'est quand même plutôt non. Donc vous voyez, c'est l'exposé, c'est le plan lui-même
qui est votre message et votre posture, votre position claire et nuancée. Ce n'est pas seulement en conclusion. Non, non. Et dans la conclusion, il n'y a pas à avoir d'ouverture. Ça, je vous invite à voir la vidéo sur la conclusion, qui doit être intitulée « Conclure ». Est-ce que ça répond même en partie à vos questions, Sana ? Oui, nickel. Merci beaucoup. Et je vous en prie. Alors, y a-t-il d'autres questions ? Alors, Sana, est-ce que vous voulez bien baisser la main, s'il vous plaît, sauf si vous voulez reprendre la parole ? Pendant que vous le faites, Laura, donc je vous donne la parole. Allez-y. Oui, bonjour. J'ai une question justement sur la vidéo que vous avez faite sur la conclusion. Mm-hmm. Bon, c'est un peu précis, mais vous dites qu'il faut préciser à qui s'adresse notre message. C'est-à-dire, on cite des acteurs, par exemple les managers de tel secteur, les startups. Alors oui, on va dire ça comme ça. Oui, c'est en gros, l'idée, c'est que votre message, ce n'est pas un propos que vous tenez dans le vide. Et notamment, si vous avez choisi une clé d'entrée particulière dans le sujet, c'est que vous vous adressez vous adresseriez à un public particulier. Et donc, il faut qu'on sache finalement à qui vous vous adressez. Et c'est, ouais. Donc, oui, donc ça peut être effectivement, tel type de manager ou des managers dans tel type de contexte. Oui, c'est, je dirais, c'est exactement ça. Ok, très bien. Merci. Je vous en prie. Alors, donc je scrute toujours et le chat et les mains. Donc pour l'instant, je n'ai rien ni d'un côté ni de l'autre. Pourtant, vous êtes toujours environ 80 en ligne, ce qui veut dire qu'il y a très certainement des questions qui se posent encore. Serena, allez-y. Bonjour. Du coup, je voulais simplement demander, vous avez parlé de la prise de position et donc de la nuance qu'il faut avoir aussi dans notre propos, mais si c'est un sujet pour lequel vraiment la position est très marquée, est-ce qu'on dit à l'oral quand même ou pas ? J'entends votre question. A priori, les sujets qui sont posés n'appellent pas de réponse très marquée. Ce ne sont pas des sujets spécialement polémiques et clivants. J'ai bien compris que c'était ça votre question. Donc, les sujets ne sont a priori, alors je vais pas vous donner un oui, enfin dire un truc catégorique parce qu'il se peut qu'il y ait un raté quelque part. Mais j'ai veillé à ce que les sujets ne soient pas notoirement clivants. Alors on n'est jamais à l'abri à un moment d'un événement dans l'actualité qui fait que tel sujet qui était hyper consensuel la veille, le lendemain deviendrait objet de clivage politique et idéologique majeur. À cette réserve près. Les sujets ne sont pas réputés clivants, donc on ne s'attend pas à avoir des positions tranchées et des, comment dire, des oppositions fermes et violentes. Donc, pour répondre à votre question, le contexte normalement ne se prêtera pas à ce risque-là. Super, merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Alors, je scrute toujours. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, tant que je vois un nombre significatif d'étudiants en ligne, je pars du principe que c'est parce que vous vous posez encore un certain nombre de questions. Mais de votre côté, si à un moment ou à un autre, vous estimez que les questions que vous pouviez vous poser ont trouvé réponse, n'hésitez surtout pas à vous déconnecter, je n'en prendrai absolument pas offense. Et ça me permettra également de voir, de prendre la température finalement des interrogations qui peuvent encore subsister. Alors, donc, j'ai entendu un micro, je ne sais pas si c'est une tentative de prise de parole. Alors, Regina,
Alors, je donne la parole à Regina et ensuite je réponds à la question d'Agathe dans le chat. Oui, bonjour monsieur. Du coup, je me demandais est-ce qu'on aurait, par exemple, une séance d'entraînement ou une vidéo avec un exemple à modèle à suivre. Alors, une séance d'entraînement organisée par l'école, non. Maintenant, derrière votre question, moi j'entends comment est-ce qu'on peut se préparer et est-ce qu'on peut s'inspirer de choses, que vous recommanderiez ou qui seraient, on va dire, de bonnes pratiques. Comment vous préparer ? Je commence par là. Je vous engage à procéder de trois manières tout à fait complémentaires. Tout d'abord, comment est-ce qu'on peut trouver des sujets sur lesquels on pourrait travailler pour se préparer. Et j'en profite au passage pour répondre à la question d'Agathe. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de sujets de la session d'avril? Je réponds directement à Agathe et je reviens sur Regina, vous allez voir, c'est cohérent. Alors, non, je ne vais pas vous donner d'exemple de sujet de la session d'avril. Très simple, c'est qu'on a une banque de sujets avec 300 sujets qui ont été un petit peu, un petit peu longs à élaborer. Et pour préserver l'intégrité de la banque de données, enfin de la banque de sujets, et pour éviter de devoir la revoir intégralement l'année prochaine, mais seulement en partie, il a été décidé de ne pas communiquer ou le moins possible sur les sujets qui ont pu tomber d'une session sur l'autre. Alors, je ne vous laisse pas complètement à l'abandon pour autant. Je reviens sur la question de Regina et vous allez voir ensuite, je vais répondre de nouveau, enfin, je vais finir ma réponse à Agathe au passage. Donc, à partir de ce moment-là, du fait que les sujets de la session d'avril vous sont a priori inconnus, comment est-ce que vous pouvez faire? Moi, je vous encourage à faire de plusieurs manières. Vous pouvez déjà regarder dans les moteurs de recherche les sujets qui sont tombés au grand oral de Sciences Po, aux épreuves orales de l'école du barreau, les grands oraux des facs de droit, les formations en droit, et vous verrez des sujets qui ne sont pas très éloignés de ceux sur lesquels vous êtes susceptible de tomber. Enfin, en tout cas, ce sera dans le même esprit. Ensuite, vous pouvez aussi, je vais partager mon écran avec vous en espérant que ça ne va pas planter, vous pouvez aussi vous faire vos propres sujets et je vais vous montrer comment. Alors, je ne sais pas si vous voyez, non, vous ne voyez pas mon écran. Alors, attendez, excusez-moi. Voilà, là, ça devrait aller. Excusez-moi, c'est un petit peu long. Donc, pendant que ça charge, je continue et je reviendrai ensuite sur comment vous pouvez construire vos sujets. Je vous engage à lire la presse régulièrement. Régulièrement, c'est-à-dire tous les jours, un petit peu, donc vous n'êtes pas obligé de tout lire tous les jours en détail, mais restez à l'affût de ce qui s'écrit, de ce qui se dit dans l'actualité, sans tomber dans le sensationnalisme du scoop du jour. Mais voilà, soyez aux aguets, restez, on va dire, informés. Moi, ce que je fais le matin, je me fais ma revue de presse. Je lis, alors je commence par lire Aujourd'hui en France pour me rendre compte de, je dirais, non pas de l'actualité à proprement parler, mais de ce qui pourrait être important aux yeux de l'opinion. Après, je regarde le journal L'Opinion, puis je lis Le Soir, qui est le grand quotidien de Bruxelles. Puis, je jette un œil sur Le Figaro et Les Échos. Et dans l'après-midi, je jette un œil sur Le Monde. Alors, je ne vous dis pas de regarder systématiquement toute la presse, donc tous les journaux. Je ne vous dis pas non plus de lire en détail tous les articles, mais vous pourrez déjà vous rendre compte d'après les titres de ce qui semble être important, de ce qui semble être de l'actualité, on va dire, durable. Donc, pas seulement de très, très court terme. Alors, sur
des sujets. Comment est-ce qu'on pourrait se construire un sujet? Alors, là, je vous montre très concrètement comment j'ai fait pour concevoir la base de sujet. Alors, vous pouvez regarder dans la presse, là, comme sur le site des Échos. Normalement, vous devez le voir à l'écran, puisque je le partage avec vous. Donc, ici, on a quelque chose. Emmanuel Faber, ex-PDG de Danone, craint pour l'indépendance du groupe. On pourrait avoir un sujet du style « Un groupe industriel peut-il conserver son indépendance ?» ou bien « Un groupe industriel doit-il conserver son indépendance à tout prix ?» Donc, deux sujets que j'ai dérivés directement de ce qu'on voit ici à l'écran, du titre de l'article et du résumé de celui-ci. J'essaie de vous en tirer encore un ou deux de plus pour que vous voyez, et après on passera donc à la suite. On pourrait avoir un sujet, mais qui ne sera pas posé, donc vous pouvez être tranquille là-dessus. Déconfiner, est-ce confiné à l'envers? Est-ce déconfiné, est-ce l'inverse de confiné, par exemple? Vous voyez? Donc, j'arrête là-dessus et je passe sur les questions du chat. Donc, je vais arrêter également de partager mon écran. Je vais interrompre le partage d'écran. Non, j'ai l'impression que vous le voyez toujours. Non, là, ça devrait être bon. Oui, alors, il se peut que nous ayons un sujet d'actualité tombé la veille de l'oral. C'est toujours possible, mais a priori, les sujets tels que je les ai posés sont plutôt des sujets susceptibles de s'inscrire dans une actualité de moyen-long terme. Il y a très peu de chances de tomber sur un sujet qui soit un sujet d'actualité strictement immédiate. On n'est pas dans du journalisme. Donc, vous voyez, quand je vous ai tiré un sujet de l'exemple de l'article sur Danone, jamais je vous ai parlé de Danone, mais plutôt de questions d'indépendance d'un groupe industriel. Donc, pour répondre à votre question, est-ce que vous pouvez tomber sur un sujet qui serait directement lié à l'actualité? Oui, il y en a certains qui ont été conçus avant, la crise du Covid-19, avant un certain nombre de choses, et qui restent d'actualité encore aujourd'hui, ou certains sujets, enfin qui non seulement restent d'actualité aujourd'hui, mais qui peuvent aussi tomber en plein dans un débat qui se tient en ce moment. Il y en a quelques-uns dont c'est le cas. Alors, déjà, est-ce que Estelle, ça répond à votre question? Ensuite, si oui, je passerai à la question d'Agathe, puis de Serena. Oui, très bien, merci beaucoup. Non, mais je m'imaginais que, par exemple, un des membres du jury allait se dire « Ah, bah, j'ai vu ça hier, on change tout et on lui met ça. » C'était ça ma... Non, pas du tout. Non. Non, okay. Parce que ça renvoie à comment sont affectés les sujets. J'ai répondu à cette question en ouverture de séance. Donc, sujets vous sont déjà pré-affectés de manière strictement aléatoire, tiré d'une banque de 300 sujets environ, et 35 minutes avant votre passage à l'oral, le président de jury vous envoie par Easy ce sujet, par mail en passant par Easy, ce sujet qui vous a été préaffecté. Donc, il n'y a aucune chance que le jury décide 35 minutes avant votre oral que finalement, vous allez passer sur tel sujet parce que ça leur plaît bien et c'est ce qu'ils ont vu aux infos la veille. Ok, super. Non, vous pouvez être tranquille là-dessus. Après, donc, question d'Agathe. Le sujet est-il forcément une question? Oui. Là, c'est un oui franc et massif. Non seulement le sujet est forcément une question, mais en plus, tous les sujets sont formulés de telle sorte que vous puissiez répondre par oui ou par non. Donc, plutôt oui ou plutôt non. Tous les sujets, indépendamment de l'estampille, de leur coloration, sont des sujets de même nature, présentés de la même forme, de sorte que tout le monde soit logé à la même enseigne. Et
c'est ce qui facilite aussi la prise de position. Alors, Agathe, est-ce que ça répond à votre question? J'imagine que oui, mais je voudrais m'en assurer. C'est parfait, merci. Bon, très bien. Alors, Serena, je vous écoute. Oui, j'avais une autre question relative plutôt à la façon dont on aborde les sujets. Est-ce que c'est déplacé, ou, enfin, voire même prétentieux, de éventuellement faire des parallèles avec des éléments historiques ou des éléments philosophiques qui nous parlent, ou artistiques encore, qui peuvent être, toujours aborder le sujet d'un point de vue managérial, mais... Oui, alors je vais vous répondre très simplement. Je vous renvoie à la vidéo sur le plan et vous aurez la réponse à votre question, qui est non seulement c'est pas un problème, mais c'est fortement recommandé. Et vous verrez, donc si vous visionnez la vidéo relative au plan, vous aurez, je pense, largement la réponse à la question que vous vous posez. Donc, je ne vais pas y répondre directement et vous refaire ce qu'il y a sur... Ça marche, merci. Je vous en prie. Alors, je scrute toujours et le chat et les mains potentiellement levées. Pour l'instant, rien d'un côté comme de l'autre. Je reviens, alors le temps que des questions vous reviennent, je reviens sur une chose à propos d'exemples de sujets que je n'ai pas pris le temps de vous dire encore. Sur les vidéos, notamment sur les FAQ, sur celle de samedi 5 juin et sur celle de, je ne sais plus si c'était le 21 ou 28 mai, déjà je traite en direct avec les étudiants d'un sujet sur chacune des deux. Sur l'une des deux FAQ, le sujet est « Une icône doit-elle forcément être irréprochable ?» Sur l'autre FAQ, je traitais d'un sujet qui était « Bitcoin et Ethereum, faut-il céder aux sirènes des crypto-actifs ?» Et enfin, sur la session POM 2021, ça doit être POM février 2021, une session de 4 heures, sur les 45 dernières minutes, 4 sujets sont traités aussi en direct. Alors, je ne me souviens plus lesquels exactement, mais 4 sujets qui ne sont pas tombés, qui ne tomberont pas, mais ça vous permettra d'avoir 6 exemples de choses qui peuvent être discutées et de comment on peut s'y prendre. Donc, je continue de scruter. Pour l'instant, je ne vois toujours pas de questions. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Si ça signifie que tout est parfaitement clair et donc il n'y a plus de questions. Si c'est très peu clair, mais vous n'osez pas forcément le dire. Si c'est l'heure de la digestion et du coup, je vous ai perdu. Ou si vous n'en avez rien à cirer. Je ne me rends pas compte. Excusez-moi, monsieur. Oui. Vous avez parlé des cas que vous avez un peu étudiés. Où est-ce qu'on peut les retrouver sur YouTube aussi Oui, bien sûr. Mais c'est ce que je vous dis à l'instant. C'est okay. Sur YouTube, j'ai une section FAQ. Et donc, il y en a 4 pour l'instant. Il y a une vidéo générale qui présente les grands blocs de questions qui reviennent régulièrement. 4 FAQ. Et dans le détail de chacune, vous verrez les questions qui sont tombées par ordre chronologique. Et vous verrez aussi, à ce moment-là, que dans 2 d'entre elles, un sujet en particulier a été traité. D'accord, donc, ok, merci. Donc, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est disponible. Alors, Kitri. Oui. Alors là, c'est une question pas forcément... Enfin, c'est un peu... Vous l'avez déjà traité et tout. Mais pour clarifier, tout à l'heure, on parlait de l'introduction. Vous avez fait le plan d'introduction. Mais est-ce que vous voulez quand même un semblant de problématisation où on n'a pas le temps? Non, là, vous n'aurez pas le temps. Donc, là-dessus, vous pouvez être tranquille. Vous n'aurez pas le temps de problématiser et de le faire bien. C'est ce qui fait justement que tous les sujets sont posés sous forme d'une question à laquelle on peut répondre par plutôt oui ou plutôt non et sont des sujets plutôt généraliste, enfin, a priori généraliste et pluridisciplinaire. Donc, effectivement, la question est très pertinente. Est-ce que, comme dans une colle, il faut qu'on problématise? Je dirais, on l'a déjà fait pour vous. Ok, d'accord.
pas de voilà. Questions sous-jacentes, etc., à tirer de... Enfin, non. Okay. Non, non, c'est pas l'exercice, là. C'est pas ça qu'on attendait. D'accord, merci. Et je vous en prie. Alors, donc toujours pareil, hein, comme vous êtes encore une bonne soixantaine en ligne, je pars du principe que vous vous posez certainement encore des questions. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à les poser. Si en revanche, vous estimez avoir trouvé réponse à ces questions que vous vous posiez avant le début de la séance, n'hésitez pas à vous déconnecter. Alors, mais je vous en prie, bonne journée Estelle. Alors, je scrute toujours et le chat et les mains. Pour l'instant, rien. Ni d'un côté, ni de l'autre. J'insiste sur le fait que si certains ou certaines d'entre vous se posent encore certaines questions et redoutent que ces questions soient naïves, soient bêtes ou quoi, vous pouvez être tranquille, ce sont des questions que très certainement d'autres que vous se posent. Et si vous les posez publiquement, je suis certain que ça en rassurera beaucoup d'autres que vous, que les questions en l'occurrence, aient été posées. Donc, s'il y a bien un lieu où vous pouvez vous permettre de poser vos questions, même celles qui vous paraîtraient les plus insignifiantes, c'est maintenant. Donc, n'hésitez surtout pas. Oui, moi, j'aurais éventuellement une question. Allez-y, Titouane. Qu'est-ce qui a pu, si vous êtes au courant, motiver la décision de GEM de passer du format d'épreuve tel qu'on le connaissait avant, avec 6 semaines de préparation, à celui qui a été expérimenté? Oui, alors c'est très simple. Il faut que je vous fasse un petit peu d'histoire de GEM pour que vous compreniez la chose. Auparavant, quand il y avait cet oral qui s'appelait oral de management technologique, à l'époque, chaque prof posait les sujets qu'il voulait et il était président du jury sur les sujets qu'il ou elle avait choisis. À l'époque, il n'y avait pas de grand mémoire. Et donc, le grand mémoire a été introduit en 2012 à GEM et pendant un certain nombre d'années a continué à perdurer cet examen oral, cet oral de management technologique. Progressivement, les sujets, ça a été sous mon impulsion, en grande partie, pas que, mais en grande partie, progressivement, les sujets se sont déconnectés des centres d'intérêt des profs pour être des sujets plus larges, plus intéressants, moins techniques, moins spécialisés, mais sur lesquels il restait 6 semaines de préparation. Moi, dès que j'ai repris en main cette OMT, donc je ne sais plus, ça devait être en 2017, hein, il me semble, dès que je l'ai repris en main, j'ai alerté sur le fait que cette épreuve faisait double emploi avec le grand mémoire. Or, ce n'était pas tout à fait le même travail, mais c'était deux exercices dans lesquels il y avait un travail de recherche qui finalement, loin de se compléter, inutilement consommait votre temps d'étudiant sur deux choses qui évaluaient le même type de compétences. Et donc, moi, dès que j'ai repris l'OMT en main à l'époque, j'ai milité pour qu'on le révise en profondeur, soit on le supprime parce que ce n'était pas utile d'avoir un OMT, soit qu'on fasse autre chose. Jean-François Fiorina souhaitait absolument qu'on garde cet élément de solennité et cette spécificité de GEM dans le paysage des écoles de commerce, un oral de sortie. Et dans mon esprit, mais ça, vous allez voir, c'est mon formatage, hein, dans mon esprit, ce qui s'imposait, mais de manière naturelle, c'était un grand oral
sur le modèle de ce qui se passe à Sciences Po ou dans les formations en droit. Alors, mon formatage, c'est que moi, je suis un pur produit de Sciences Po Paris. Je dirais, ma manière de penser, d'appréhender les problèmes passe par, je dirais, par là et par ce type de réflexion, de raisonnement en deux parties, de sous-parties, etc. Et c'est ce qui me semble marcher le mieux. Et ce sont des compétences qu'on n'a jamais évaluées chez vous. Donc, ce sont des choses qu'on n'a jamais su mettre en valeur chez nos étudiants jusqu'à présent. Et donc, je vous passe les détails, hein, toute la chronologie, mais pendant un moment, donc, j'ai quand même fait du lobbying dans ce sens-là, jusqu'au jour où j'ai eu le feu vert, et à ce moment-là, j'ai pu proposer cet exercice, je ne vais pas dire clé en main, mais presque, c'est-à-dire avec grille d'évaluation, donc les attendus, le format, les sujets, etc., etc., et ça a été approuvé par l'école. Voilà pour répondre à votre question. Alors, est-ce que ça satisfait votre curiosité ou est-ce que j'ai répondu à côté? Oui, oui, totalement, oui. Merci. Je vous en prie. J'embraye sur la question, toujours dans l'historique. Est-ce que vous pensez qu'à terme, pour les prochains, il y aura un module de préparation? Enfin, je vois bien que l'esprit, ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est-à-dire… Alors, je comprends. En gros, est-ce qu'il y aura comme en prépa des cols et une préparation spécifique? Alors, après, je dirais le sens de l'histoire, ce n'est pas tellement ça. Enfin, l'histoire va pas dans ce sens-là, va plutôt dans le sens contraire. Imaginez-vous que par le passé, sur l'ONT, à proprement parler, les étudiants avaient 6 heures de préparation. Alors, c'était une séance de 6 heures, donc je faisais une journée continue, sans aucune interruption. Enfin, je veux dire, les étudiants prenaient des pauses quand ils voulaient. Et au fur et à mesure que j'ai évolué l'oral, 6 heures ne semblaient plus indispensables. Cette année, compte tenu de la crise sanitaire d'un certain nombre de problèmes que ça pouvait poser en termes logistiques, les 6 heures se sont transformées en 6 heures en présentiel, se sont transformées en 6 heures en ligne. 6 heures en ligne, ce n'est pas tenable, surtout de manière consécutive. Et donc là, il y a un élément de la prise de décision que je ne connais pas, mais du coup, on m'a dit, tes 6 heures, ce sera 2. Ce qui pour moi n'était pas un problème parce que j'avais déjà la chaîne YouTube qui était prête depuis un moment pour les étudiants qui n'avaient pas du tout de préparation. Et donc, pour répondre à votre question, ce ne serait pas le sens de l'histoire que d'ajouter des heures de préparation spécifiques. D'où mon conseil de tout à l'heure. J'ai oublié un élément de réponse tout à l'heure à une question qui m'était posée sur la manière de vous préparer. D'où le conseil suivant. Lorsque vous vous préparez, je vous encourage à simuler des oraux avec d'autres étudiants. Donc, ce n'est pas très long. Vous voyez, 10 minutes de passage chacun pour voir, pour apprécier finalement dans quelle mesure ce qui a pu être dit est convaincant ou pas. Et ce sera la meilleure préparation que vous puissiez avoir. Alors, je sais que la réponse n'est pas satisfaisante parce que vous auriez sans doute espéré que je vous réponde que oui, il y aura des heures de préparation à un moment ou à un autre. Mais est-ce que ça répond quand même à votre question, Kitri? Oui, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, je scrute toujours. Alors, je continue de regarder à la fois le chat et les mains susceptibles de se lever. Pour l'instant, je ne vois rien, ni d'un côté ni de l'autre. Et je vois qu'un certain nombre se sont déconnectés, donc ça veut dire que beaucoup de questions ont trouvé réponse. Mais comme j'en vois encore une petite quarantaine en ligne, j'imagine que vous vous posez encore des questions. Donc, n'hésitez vraiment pas à les poser.
Eh bien, bon après-midi, keep free. Merci. Alors, j'imagine que ceux qui restent ont très certainement encore des questions. Et bon après-midi, Michel. Eh bien, je pense qu'on reste toutes et tous dans l'attente, monsieur, pour savoir s'il n'y a pas une question à laquelle on n'aurait pas pensé. Non, j'imagine. Mais c'est une manière de susciter éventuellement des questions chez certains qui n'oseraient peut-être pas les poser. Voilà. J'ai bien compris que pour un certain nombre, vous êtes dans l'expectative. Mais j'espère quand même que certains parmi vous poseront des questions. Parce que effectivement, je vois que vous êtes dans l'attente et tous plus ou moins preneurs. Eh bien, chez Maë, bon après-midi. Alors, oui, quelqu'un a essayé de prendre la parole, je n'ai pas vu qui, mais allez-y. Régina. Du coup, je voulais. Oui, Régina. Sujet sur le Bitcoin, est-ce que c'est vraiment un sujet qu'on peut avoir, qui peut tomber Celui-là, pas forcément, mais là, le sujet sur le Bitcoin, je vous invite à voir ce que j'ai dit sur le Bitcoin lorsque je l'ai traité comme ça au débeauté, sans être un spécialiste du tout de la chose. Moi, je suis spécialiste d'aucune thématique tombée. Vous voyez, je suis un généraliste, donc j'ai découvert ça quand je regardais les titres des échos avec les étudiants et j'essaie de le traiter avec eux. Donc, pour répondre à votre question, ce sujet-là, à proprement parler, vous ne l'aurez pas. Un sujet du même type, pas exactement, mais vous aurez des choses qui peuvent tourner. Enfin, vous pourrez avoir des sujets qui tournent autour, je vous disais, de thématiques qui sont dans l'air du temps. Voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, sans déflorer les sujets. Vous aurez très certainement, oui, des choses sur l'intelligence artificielle, très certainement des choses qui parlent de blockchain, très certainement des choses qui parlent de big data, mais parce que c'est dans l'air du temps. Mais sans être des sujets techniques et tout en étant des sujets donc traitables par n'importe qui consacrerait une demi-heure de réflexion. Ok, merci. Voilà. Mais je vous en prie. Je me permets de rebondir sur ce que vous venez de dire. Mmh. Typiquement, est-ce que c'est aussi OK d'admettre sa vulnérabilité face à un sujet? Parce que moi, typiquement, un sujet par rapport aux crypto-monnaies, je suis capable, je connais les bases, les fondements vraiment à proprement parler. Voilà. Mais je veux dire, il y a même des ingénieurs qui ne comprennent pas comment fonctionne vraiment le blockchain. Donc, je ne veux pas avoir la prétention de débarquer en oral et de dire… Non, mais c'est pour ça que je vous disais, on n'attend pas de vous que vous soyez des pros, des spécialistes des sujets, mais que vous ayez un avis, quelque chose à en dire. Donc, à la limite, le mieux même pour vous, c'est d'être quasiment illettré sur un sujet ou juste de connaître les bases, mais sans plus, et ce qui vous permet de saisir un certain nombre d'enjeux. Et les enjeux ne sont pas des enjeux techniques, mais plutôt des enjeux de société. Ça marche, merci. Et donc, vous pouvez être rassuré là-dessus. Alors moi, il m'a fallu un temps fou pour comprendre ce qu'était le big data. Quand j'en ai entendu pour la première fois, je ne comprenais pas bien, non pas ce que c'était, mais ce que ça apportait. Je me suis dit, oui, bon, et alors? Et donc, il a fallu un moment. Mais je ne prétends pas que je maîtrise, mais je pense que je comprends à peu près ou suffisamment pour pouvoir en parler 10 minutes. Au-delà de 10 minutes, je ne suis pas sûr que je tiendrai forcément la route, mais pour en parler une dizaine de minutes sans trop de difficultés et sans avoir à entrer dans des détails techniques. Vous n'êtes pas dans une école d'ingénieur, donc on ne vous demandera pas comment se fait la ligne de codage de telle opération en Bitcoin ou comment s'enregistre tel truc, la contrepartie de machin dans le big data d'un tel. Ça, dans la blockchain d'Intel, on ne s'en demandera pas. Ce n'est pas du tout ce que vous pouvez être tranquille là-dessus. Ok, super, c'est rassurant. Merci beaucoup. Bon, parfait. Je vous en prie.
Alors, donc je scrute toujours hein, d'un côté et de l'autre. Rien pour le moment. Rien. Et pourtant, vous êtes quand même un certain nombre encore en ligne. Donc, alors, je vois que qu'un certain nombre se déconnecte, donc j'en déduis que l'essentiel des questions que vous pouvez vous poser ont trouvé réponse, mais qu'il en reste probablement encore quelques-unes. Mais je ne saurais pas deviner ou déterminer lesquelles si vous ne les formulez pas de vous-même. Et la Régina, je vous en prie, bon après-midi. Merci, monsieur, pour votre temps. Bon après-midi. Je vous en prie, bon après-midi, Maud. Merci. Au revoir, monsieur. Merci pour les réponses. Mais je vous en prie, au revoir, Serena. Alors, donc là, vous êtes encore 10. 10 susceptibles d'avoir encore des questions. Bonjour monsieur, j'ai une question oui. plutôt pratique de mon côté. Allez-y, là, je vous écoute. On aura les résultats de notre grand oral de management. Alors là-dessus, pour cette année, je ne sais pas. En temps ordinaire, les résultats du grand oral de management, enfin les résultats de l'oral, tombent une fois que les résultats du TOEIC sont arrivés. Comme cette année, l'épreuve de langue et le TOEIC, d'après ce que j'ai compris, n'auront pas lieu. Je ne sais pas quel est le calendrier des résultats pour l'oral. Je vous invite à prendre contact avec Elisabeth Moreau et Lucie Tellier pour leur demander. Elles sauront mieux que moi quand vous pouvez espérer les résultats. Désolée de ne pas pouvoir vous en dire plus. Hein. D'accord, merci. Je vous en prie. Alors, vous êtes toujours 8 en ligne. J'imagine qu'il y a encore des questions. Donc, je vous en prie, Lorraine, avec plaisir. Bon après-midi. Donc, maintenant, sur les 7 qui restent. Si vous restez, c'est parce que vous avez bonne raison de le faire. Et ces bonnes raisons, j'imagine, sont des questions que vous pourriez encore avoir. Mais je vous en prie, là, bon après-midi. Je vous en prie, Alison. Merci pour vos réponses, monsieur. Au revoir. Et je vous en prie, avec plaisir. Au revoir, Oulimata. Donc ensuite... Comme je disais à l'ouverture de la séance, hein, je souhaite autant que possible éviter qu'on se retrouve à échanger en trop petits comités. Maintenant, si vraiment il vous reste encore une ou deux questions qui vous brûlent les lèvres, sachant que le reste de la séance sera aussi enregistré et diffusé sur YouTube, n'hésitez pas. Mais si vraiment vous n'en avez pas en particulier, vous pouvez vous déconnecter quand vous voulez. Excusez-moi, je vais dire 4. Hein. Je vois que vous êtes 4 et non 3.
Donc, je ne peux vraiment pas deviner quelles sont les questions que vous êtes encore susceptibles de vous poser si vous êtes toujours parmi nous, toujours en ligne. Alors, eh bien, je vous en prie, Sana, bon après-midi. Donc, il ne reste plus que Victoire et Antoine. Donc, s'il vous reste une ou deux questions, c'est le moment, vraiment. Sinon, je vous propose qu'on mette un terme à la séance. Donc, je vous laisse une minute pour retrouver vos esprits le cas échéant et formuler une question, et si à l'issue de cette minute, il n'y a rien qui se profile, je mettrai un terme à la séance partant du principe qu'il n'y a plus de questions. Eh bien, la minute étant échue, comme il n'y a pas de questions, ni dans le chat, ni au micro, je vous propose donc de lever la séance. Cette vidéo sera postée sur la chaîne YouTube du Grand Oral, dans la section FAQ, avec la date d'aujourd'hui. Elle sera postée très rapidement. Je ne vous garantis pas que ce sera forcément demain, mais d'ici la fin de la semaine, de manière certaine. Donc, je vous remercie pour ceux qui ont participé d'avoir été des nôtres. J'espère que les questions que vous pouviez vous poser ont trouvé réponse. Et je vous souhaite donc bonne continuation et bon courage pour cet examen.